Bien. Pour nous avons remarqué toujours, et nous n'avons pas réellement chauffé toujours là parce que nous toujours, pas bon ici dans New York, là, n'a pas poussé bien le bord de monter. Et bien c'est comme ça, dans marché là, nous tombons sur aucun chien homme qui est le Claude Masselin. Nous voyons que Claude Masselin, il n'a pas été un nom inconnu pour les haïtiens. C'est que nous avons passé Claude Masselin en Mikoa, il n'y a pas de petit causé avec tous les amis Bossoyo. Claude Masselin, nous voyons que ça fait nous plus plaisir de ce que je dis à nous pour là. C'est quoi, est-ce que vous remettez ça ou vous pouvez voir tout ça? Amis des spectateurs. Bon, ça, premièrement, ça me donne même dire, c'est comme d'aller saluer tous les amis de Boston. Je connais que grand peu de monde qui écoute la musique haïtienne de Boston, écoute la musique Pamdou. Et je me dis surtout que bientôt, je vais ça à Boston. Bon, ok, ça fait nos plus plaisir parce que grand peu de monde qui attend de ça. Parce que même personnellement, j'ai appris le superstar, c'est une radio Abtandeli. Bon, on va pour surtout nous dans le bon, qui est que compare ou pas le matin qu'on va voir ici, je dis là. Ah ben, comme d'habitude, en démon. En démon. Bon, moi, ça fait un plaisir, est-ce que moi, plaque album ou sortir avec là. Donc, pile, mon a créé l'album dans tout. Bon, est-ce que vous pouvez parler un peu de l'album ça, que vous avez fait? On parle de l'album PAM. Il y a un album ça, oui. Bon, ben, l'album ça, je me suis très satisfait de lui parce que c'est un album que tout ça me devait réaliser la dernière bien sorti. Et moi, que Mounio et même son réussite commerciale et musicale. Et ça me dit, c'est que notre travail pour me lancer l'autre qui est aussi bon bientôt. Bon, ok, bon, amis téléspectateurs, c'était Claude Masselin qui était avec nous là. Mais bon, il faut nous connaître que prochainement, là, on va ici dans Boston, la porter dans Boston. Il n'est pas venu satisfaire tout le public de Boston. Amis, gardez l'écoute. C'était avec vous, Joël Télisma pour Télécréole. Merci bien. Merci, hein. Chaque samedi, des 5. Les téléspectateurs, toujours, nous toujours avec vous même parce que travail nous, c'est chercher, fouiller pour voir tout ce qui a passé. T'as qu'on connaît déjà, l'équipe Télécréole a débarqué, sorti juste dans Boston, il est débarqué d'abord ici dans New York pour une couvrir pour nous, tout ça qui a passé dans le stade ça là. Bon, quand on est là, nous qui avec nous là, c'est nos amis, nos fanatiques enchaînés de télévision qui m'a porté parler avec nos amis téléspectateurs. Oui, cher, je suis très content étant qu'haïtien, que pour moi, que haïtien par moi, la progresse comme ça dans Boston. Mais avant tout, je voudrais me saluer tous les amis Boston, tous les haïtiens qui habitent Boston, pour me faire reconnaître que. Je suis porté Télécréole parce que c'est un gros travail qu'a fait là-bas. Et ça me besoin tout dans New York. Merci. Bon, ok, bon, un petit merci bien. Bon, comme vous voyez, mes amis, c'est tout amis. Les amis, ça sont 10 Boston. Ils descendent avec nous là-dedans. Ils vont équipe l'autre ami encore. Cap, félicitez nous pour le bel travail qu'on a fait. Les amis, camarades, Kembe, suivent. Et puis, on va jouer toute belle bagaille qui a passé là-bas ici. Quand on est là, qu'on coupe maintenant là, c'est Superstars qui va le frapper la table là. Superstars, quand nous remarqué que monsieur a déjà apporté ce nœud là. Bon, t'as le constat là, nous va gagner un pile chauffement là, un pile coupa, pas la paix de la vie ici là. Bon, c'est avec vous toujours, Joël Télisma pour Télécréole. Chaque samedi soir de 10h à minuit. Et nous gagnons Nicolas Tchèque-Kundin qui est là avec nous. Nous gagnons un pile d'autres amis tout qui voyaient bel coup de chapeau pour nous de la presse média. Qui voulait travailler avec plus belle que la canciale, que soleil, que lumière.